Hey, bien salut à tous, c'est Graven pour ce 17e épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle notion dans laquelle on va parler de la surcharge avec ces langages. Alors lorsqu'on parle de surcharge, on parle de la possibilité de créer plusieurs éléments. Ça peut être par exemple plusieurs fonctions, plusieurs constructeurs, etc. etc. qui vont avoir certes le même nom, mais un nombre de paramètres et d'arguments différents suivant le besoin ou le cas de figure. Pour essayer de bien comprendre, je suis parti de cette base de code. J'ai créé un nouveau projet qui s'appelle MyProject qui dispose de deux classes. La classe principale main qui contient une fonction qui va s'exécuter quand le programme va se lancer et qui va faire une instanciation d'un objet player qui représentera un joueur par exemple dans un jeu vidéo. Ce joueur portera deux attributs, un nom qui permettra de l'identifier et une vie qui permettra de savoir à quel état de sa vie il est tout simplement. On aura aussi quelques méthodes pour récupérer ces informations. Donc jusque là, aucune difficulté, c'est ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, je vais vous demander de créer une méthode qui va s'appeler sendMessage et qui va écrire le pseudo du joueur de point hello, par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Naturellement, vous allez ici faire une nouvelle méthode d'accessibilité publique, étant donné qu'on va pouvoir s'en servir en dehors de cet objet. Ensuite, on ne va rien retourner, donc on peut mettre le mot-clé void. Effectivement, on va simplement effectuer des instructions, puis le code va s'arrêter. Il ne va pas renvoyer, retourner de valeur, comme c'est le cas avec le getName qui renvoie le nom du joueur, ou encore le getElse par exemple. On continue. Ici, on va mettre le nom de la méthode, sendMessage. Des petites parenthèses par la suite pour pouvoir mettre des paramètres, des choses qu'on va pouvoir récupérer dans nos instructions. Et ensuite, je peux ici ouvrir les accolades. Alors, il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Soit vous les mettez en haut, soit sinon en bas comme ceci. C'est à vous de choisir. À ce niveau-là, on va envoyer un message en console. Donc, je vais faire appel au sysout. Donc, vous commencez à l'écrire en minuscule. Petit contrôle espace et automatiquement, ça vous génère le code en question. Donc, à ce niveau-là, je vais injecter tout d'abord le nom du joueur. Et pour cela, j'ai accès à l'attribut name. Ensuite, je vais concatener ça en injectant du texte. Donc, je vais mettre ici, par exemple, deux points. Et mettre ici, par exemple, hello. Comme ceci. Donc si maintenant ici, après avoir instancié cet objet, je fais un coup de player.sendMessage et que je lance le programme, vous allez voir que ça me met bien Graven Hello. Donc ça fonctionne parfaitement. Mais là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais on sait déjà faire ça. Vous avez déjà montré ça dans les vidéos précédentes. Effectivement, mais attendez, si maintenant je vous demande de garder cette fonction sendMessage mais d'en créer une deuxième qui va écrire par exemple « Hey bien salut à tous, c'est Graven », qu'est-ce que vous allez faire? Naturellement, vous allez ici la dupliquer, demander ici une chaîne de caractères qu'on va appeler « Message » et à la place de mettre le « Hello » en dur, vous allez injecter ici le message qui a été donné lorsqu'on appellera cette fonction. Super. Et bien là, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle une surcharge. J'ai bien deux méthodes qui portent certes le même nom, mais qui n'ont pas la même signature. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne demande aucun paramètre en plus, tandis que dans la deuxième méthode, je demande une chaîne de caractères. Donc si maintenant je lance le programme, on a encore le fameux hello. Alors pourquoi ça fait ça? Comment on peut choisir la méthode que l'on souhaite activer? Alors ce que je vais faire ici, c'est prendre la classe player et la glisser vers le bas et automatiquement, ça va me scinder mon écran en deux. C'est plus pratique pour développer. Donc à ce niveau-là, j'ai fait appel à la fonction sendMessage, mais qui ne prend aucun argument. C'est-à-dire que si je fais un coup de contrôle et que je clique dessus, regardez, il cible la première, étant donné qu'elle n'a aucun paramètre nécessaire. Tandis que si ici, j'avais mis du texte, par exemple, « Hey, bien, salut à tous », dans ces cas-là, ça aurait ciblé la méthode qui demande une chaîne de caractères et non plus la première. Donc si je lance ici le programme, vous allez voir que ça me met Graven et bien salut à tous. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc c'est très important de bien comprendre cette idée comme quoi, selon ce que vous allez donner en paramètre, ça va cibler telle ou telle méthode. Seulement, ce que je viens de faire ici, ce n'est pas totalement juste, c'est un petit peu redondant si vous voulez. Effectivement, on a fait un sysout en mettant ici comme message hello. Alors on pourrait très bien à la place appeler la deuxième fonction en lui passant comme texte hello. Comme ça, si j'appelle la méthode sendMessage qui ne prend aucun argument, automatiquement il sait qu'il va faire référence à la première et cette première va appeler le sendMessage en lui passant comme texte hello. Si je lance le programme, on a bien ici graven.hello. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant qu'on a compris les enjeux de la surcharge, je vous propose d'essayer sur autre chose. Par exemple sur ce constructeur de cet objet player. Dans mon cas, j'ai créé un nouveau joueur qui s'appelle Graven et qui possède 200 points de vie. Mais si maintenant je vous demande de lui donner par défaut 200 points de vie sans que j'ai besoin de le préciser à chaque fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever ici le deuxième argument et vous retrouvez uniquement avec un argument qui est du texte. Et c'est à ce niveau-là qu'on va nous proposer justement de surcharger ce constructeur en demandant maintenant qu'une chaîne de caractères qui est le nom du joueur, name. À partir de maintenant, je vais dire que vis
vis.name est égal au nom qu'on me donne, donc ça, ça ne change pas. Mais par contre, vis.else, la vie, je vais la mettre par défaut à, par exemple, 500 points de vie. Regardez, si je clique sur le player, il cible automatiquement le constructeur qui correspond au nombre d'arguments passés. Donc ce que je vais faire ici, c'est afficher, par exemple, vous avez, ici, on va venir injecter le nombre de points de vie, else, plus points de vie. Et regardez, si je lance le programme, on peut voir qu'il y a marqué « Vous avez 500 points de vie ». Mais si maintenant je rajoute un deuxième argument, par exemple en mettant 250, il va voir que je lui donne une chaîne de caractères et un nombre de points de vie. Donc par conséquent, il va aller vers le bon constructeur. Je lance le programme et là, on a bien ce résultat. Mais comme tout à l'heure, on peut voir qu'ici, notre code est un petit peu redondant. En programmation, on va éviter de répéter des portions de code qui sont similaires, comme tout à l'heure. Au lieu ici de mettre les instructions de ce type, on pourrait très bien faire appel au premier constructeur en lui donnant le nom qu'on a récupéré ici et en lui mettant ici en clair 500. Pour récupérer ce constructeur, vous allez utiliser le petit mot-clé vis qui cible l'objet courant et ouvrir les parenthèses. En premier paramètre, on va mettre ici le nom du joueur, donc ici name, et on va rajouter un second qui va être 500, comme ceci. Regardez, si je fais CTRL et que je clique dessus, automatiquement il sait que ça correspond à ce constructeur. Donc à partir de maintenant, lorsque je mettrai uniquement une chaîne de caractères, il va faire référence à ce premier constructeur, qui lui-même va appeler celui-ci et lui passer les informations. Donc ça va faire ses instructions sans qu'on ait besoin de les répéter. Donc si je lance le programme, on a bien ici, vous avez 500 points de vie. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à faire le quiz dans la description pour vous entraîner. En tout cas, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.